Hello, comment ça va? Ça Ouais, moyen, je sais pas, je suis un peu angoissée avec toutes ces histoires de climat, la COP27, je vois qu'ils vont tous en jet, franchement, ça me... Je sais pas quoi faire de mon côté. va? Ouais, je comprends. Après, tu sais, avec des petits gestes, si tout le monde s'y met, ça peut faire des grosses différences. Je sais pas si tu connais l'application Copact. Non, c'est quoi? En gros, c'est une application qui va te permettre de traquer tes émissions de CO2 et ils vont te donner des conseils pour améliorer tes habitudes de déplacement directement en fonction de tes informations et des informations du climat, de la météo, etc. Mais attends, je vais te montrer directement l'application. Ouais, avec plaisir. Donc ça, c'est l'application. Quand tu arrives sur l'application, tu arrives directement sur les défis. Donc ils vont être proposés soit par la communauté, soit par l'application directement. L'application va pouvoir te proposer des défis qui sont directement en lien avec la situation climatique en temps réel. Ok. Là, par exemple, dans l'historique, je vais avoir un récap de l'impact que j'ai pu avoir et de l'impact que ça aurait pu avoir si tout le monde l'avait fait. Ensuite, dans les statistiques, je vais pouvoir voir mon impact, mais aussi l'évolution de mon impact et l'évolution de l'impact de la communauté. Trop pratique. Ouais. Et là, on a un classement un petit peu communautaire avec une comparaison de nos niveaux avec mes amis. Et à chaque fois que je vais pouvoir relever un défi, je vais monter de niveau. Et voilà. Tellement bien! T'as connu ça comment? Bah, c'est Ryan qui m'avait montré et je crois qu'il avait vu ça sur Insta. Ok, trop bien. Bah écoute, je vais télécharger alors. Ok, bah quand t'as téléchargé, ajoute-moi. Ok, nickel, trop bien. Merci beaucoup, à plus! À plus, ciao.